recevoir chez vous et bienvenue à ce tout premier numéro de Zoom Eco Live. Nous sommes ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas commencer cette tranche vespérale sans vous donner les différentes informations qui marquent la toile. Mais pourquoi pas revenir à notre site partenaire. Il s'agit bien sûr de Zoom Eco Live. Et donc, vous avez le droit d'avoir un clin d'œil sur ces informations. Et ça, il s'agira de notre rubrique Les Nouvelles en Bref. Je l'ai dit tout à l'heure, vous aurez aussi les dossiers. Ces dossiers qui nous ramènera à comprendre ce sujet important. Là, les CAF, on en parle depuis quelques temps en RDC. Vous aurez aussi à découvrir avec nous les différents indicateurs. Il s'agira bien sûr de la rubrique chiffres et clés, mais nous ne pouvons pas poursuivre pour finir sans pour autant évoquer les différents prix sur le marché. Il s'agira bien sûr de notre rubrique Zoom Wednesday. Nous aurons aussi à vous amener découvrir les différents rendez-vous, pourquoi pas le sommet économique ici et d'ailleurs. Ça se passera dans la rubrique Agenda, mais nous allons finir avec la voix de son voix. Cette rubrique qui donne la parole à la population. Il s'agira bien sûr de l'article 15 et ça se passera avec vous en moins d'une heure. Restez branchés. Restez connectés. Voilà, des retours sur ce plateau. Nous prenons les nouvelles en bref. Tout de suite. $10 millions attendus de l'adjudication du bon de trésor de ce 2 février 2021. La République démocratique du Congo compte lever 20 milliards de francs congolais à l'issue de la séance d'adjudication du bon de trésor prévue ce mardi 2 février 2021. Étant donné que l'échéance de remboursement est de 3 mois, les soumissionnaires devront être remboursés le 4 mai 2021 dans les conditions fixées par la loi. Le projet portant ratification de l'accord sur la ZNECAF sera examiné en seconde lecture au Sénat ce mardi 2 février 2021. La Chambre haute du Parlement de la République démocratique du Congo annonce une session extraordinaire ce mardi 2 février 2021 pour examiner et adopter le projet de loi autorisant la ratification. Autorisant la ratification de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine. Cette décision a été rendue publique dans un communiqué signé ce lundi 1er février 2021 par le président du Sénat, Alexis Thambwemo. L'administration foncière a réalisé 81% de ses assignations en 2020. Les réalisations annuelles de l'administration foncière de la République démocratique du Congo se sont situées à près de 47 milliards de francs congolais, ce qui représente 81% des assignations de l'année 2020. Une performance promise et réalisée sous la houlette du ministre des Affaires foncières, Molendo Sakomba.